Voilà. Salut tout le monde! Coucou! J'ai Galpin qui est là? Oui, bonsoir à tous. Voilà. Je vais gérer. C'est prêt. Hop. Donc ouais, on a déjà lancé le tour 1 parce qu'on avait eu quelques soucis sur la campagne, donc on a déjà lancé le tour 1, sauvegardé le tour 1. Il n'y a pas eu de combat, mais on va se préparer à lancer le tour 2. Voilà. Donc ouais, alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'on fait, on est sur une campagne multi, où il y a plein de scénarios de campagne dans Napo. Et vous avez ce scénario 1805, hein, où vous avez la France de Napoléon avec son glacis hollandais, donc le hollandais, la République batave, on a la Confédération suisse, qui sont alliés à la France. Et vous avez aussi, et vous avez l'Autriche de mon côté, qui est déjà allié à la Russie, donc techniquement je suis déjà en guerre contre la France, allié de la Russie, et il y a même, ton royaume italien, qui est aussi oui. Ton allié en et Italie. L'Espagne. Et l'Espagne, c'est encore l'Espagne des Bourbons, c'est pas encore l'Espagne du frère Napoléon. Et en plus de ça, t'as l'Angleterre qui est en guerre contre toi. Tout à fait. Est-ce que t'as des choses à rajouter, Galpin, sur la situation? Non. Alors, t'as bien résumé. Ouais, donc on est vraiment sur la coalition. Donc, on est en fait en 1805 historiquement avant la descente sur Vienne, c'est ça? Qui va amener à la bataille des trois empereurs à Austerlitz et surtout. Ouais. Voilà. Donc on est à ce moment-là. On s'est imposé aucune restriction historique. Si on veut faire de la histo, peut-être qu'à un moment, aller savoir si Napoléon va peut-être se faire botter le cul plus vite que prévu. Peut-être qu'on pourra négocier une paix. Galpin, pour l'instant, est intransigeant sur l'Italie, alors que moi, c'est terre d'empire. Donc on a discuté et pour l'instant, l'Italie est un sujet de discorde entre moi et Galpin. Galpin m'a dit, écoute, si tu veux grossir, va en Allemagne, mais tu me laisses l'Italie. Je lui ai dit, ah non, l'Italie, c'est terre d'empire. Toi, va en Angleterre. Voilà. Et bon, pour l'instant, voilà, les négociations, c'est niette. Donc on est en normal au niveau des difficultés. On jouera les batailles de l'IA, c'est-à-dire que dès qu'il y a une bataille, on pourra jouer l'IA. Donc il n'y aura jamais de bataille contre l'IA, à moins qu'il y ait en armée alliée qui arrive. Mais toutes les batailles seront jouées navales, terrestres, par un humain. Donc ce qui est très très fun. Et voilà. Écoutez, on avait fini le tour 1, et c'est parti. Hein. On s'est arrêté là parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose et on va faire la première bataille direct. Et moi je vais m'ouvrir ma bière. Parce que j'ai bossé aujourd'hui. Oh, la flotte anglaise! Eh, c'est Nelson qui commande la grosse flotte, là? Oui. Oui. Oh là là. Alors, j'ai demandé à Galpin s'il avait ferraillé sa flotte pour des raisons financières, et il refuse de répondre. Parce que j'ai très peur de voir Galpin faire de la histo, et pendant qu'il me dit que je prépare la descente sur Vienne, Galpin traverse la Manche. Ah, ok. L'allié bavarois de Galpin, il a deux batteries de guns. T'as quoi en face, Galpin? Tu vas avoir deux lignes, des Jäger ouais. Et une lampe verte. Galpin, je vais me replier. D'accord. Je vais me replier, Galpin. Parce que je ne veux pas affronter tes deux guns. Maintenant, l'armée bavaroise est isolée. Ok, la flotte de la République batave. Elle vaut quoi la flotte hollandaise, Galpin? Tu l'as testée un peu? Ah, elle est bonne, elle est très très bonne. Ouais. C'est quoi les conditions de victoire? Bah, quand moi, il y aura Napoléon dans une cage, nu, à Vienne, avec les hussards qui le biflent. Écoute, je pense que là, je pourrais proposer à Galpin des conditions de paix honorables. Hein. Ouais, je pense qu'on sera bon, là, à ce niveau-là. Ouais. Et puis, bah, quand les troupes françaises auront fait la jonction avec son allié ottoman, peut-être que là, que Napoléon sera accueilli par la grande porte, je pourrais commencer à discuter. Bon, à Galpin de jouer. Ouais. J'ai un peu peur, hein, parce que forcément, on a testé en solo, et je peux vous dire que Napoléon, le français, a une armée assez terrifiante en early game. On va pas se le cacher, affronter l'armée française... ça peut être un peu difficile. Mais Galpin aussi, il n'y a pas que moi. T'es en guerre contre la Prusse, Galpin? Ou il t'a déclaré? Encore. Pas encore. Pas encore, ça viendra, t'inquiète pas. Okay. Hop, tac. Hop, c'est fait. Oh là là, Galpin, je fais pas d'argent, hein. Je suis pauvre.
As fuck. D'ailleurs, Galpin, je vois que ton armée française d'Italie a mis les voiles. Moi, ah. tu ne vas pas défendre ton royaume, ton allié, le royaume italien. Il y a peut-être quelque chose derrière ou pas. Bah, mon espion, pour l'instant, me dit qu'il n'y a pas grand-chose derrière. J'ai mes renseignements. Hein. Donc, si tu envoies ton espion d'Italie, c'est-à-dire que tu vas passer par là. Ah, Galpin, je me balade avec un marchand. Tac. C'est dommage que j'ai pas Schoonmeister. Hop, ouais. Hop. Bah, l'Ottoman m'a pas déclaré la guerre. Le fait qu'on soit, c'est ce que je disais à Galpin quand je me suis entraîné en difficile, l'Ottoman me déclarait la guerre systématiquement. Mais là, visiblement, oh, Reestablish Connection. J'espère que t'as pas la table, Galpin. Non. Ok, on va voir. Oh putain, me dis pas que Napo est déjà aussi, autant buggé. Okay, non, c'est bon. Ok. Hop. J'espère que ça va pas descendre. De coup. Ah! Winter Attrition, aïe. Yeah, bah alors. Forcément, mes mecs dans les Carpates, là, dans le nord des Carpates, ça se passe pas bien pour eux. ma lande verte dans les Carpates. Bon, on a laissé une dizaine de mecs derrière Galpin. Bon, Galpin, où est Napoléon, là? Ah ah! Ça m'inquiète, Galpin, je vais pas le cacher. Est-ce que je refais le remake de Bonaparte ou est-ce que je suis devenu Napoléon? Ça m'inquiète. Par contre, Galpin, ton allié bavarois a pris la confiance. Ah. Là, par contre, Galpin, on y va. Allez, on y va. Ah oui. Ah là, c'est Galpin, c'est pas la même. Ah, enculé. Alors, on a une seule règle, interdiction de tirer sur les généraux, et on n'a pas le droit d'utiliser les artilleries obusier, fusée, mortier. À part ça, on s'est dit, on fait les compos qu'on veut pour le combat. On aura peut-être des compos un peu olé-olé qui vont apparaître. On verra. Sachant que tout coûte très cher dans ce jeu et qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent au début. Hein. Donc là, c'est Galpin qui commande l'armée bavaroise. Carbon Libosch, c'est toi qui attaques là, Mac? Oui. Ok. Ouais, le terrain, somme toute classique. Le terrain est très classique. Une plaine avec quelques bosquets. Hop. Ok, on va passer ça. Alors Galpin, est-ce que tu vois mon armée, Galpin? Non. Ah, tu sais que moi je vois la tienne. Ah. Tu dois avoir un meilleur décryptage peut-être. Un meilleur général, va savoir. Ouais, sans doute. Donc attention Galpin, parce que je vois ton armée. Hop. Je te cache pas que ça va être très très pratique. Hein. Ce qu'on perd là, Galpin, ça coûte cher, tu vois, pour le compléter. Ouais. Moi, ça va, c'est pas mes troupes, t'as envie de toi. Moi, et voilà, c'est ça, tu vois, je suis là, ah, d'accord. C'est bien d'avoir des positions avancées par chez toi. Ouais, ça te permet de commencer à prendre en main un peu le terrain. Tu m'as pris par surprise. Oh, le boulet l'a fait mal.
Oh là là, ma cavalerie Galpin. Tu fais beau, là, Galpin. Ah ouais, je t'ai mis quelques boulets. Oui, oui. Oh là là, oh non, non, le Friendly Fire. Oh, 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 t'es chasseur. Ils m'ont pris dans la gueule. Ouais, c'est pas cher. Ah putain. Oh là là, les légers autrichiens, Galpin. Ici, il courait pas. Glorious victories, huh? So... Oh putain, Galpin, tu changes avec ton général! Aïe 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 aïe, j'ai joué au con là! Trop greedy! Oh la mitraille! Ça panique! Oh là là, le cac, oh là là! Je prends des pertes dans mes légers qui ne m'arrangent pas du tout! Ok, on a tout nettoyé ici. Tu vas avoir fait des pertes, Galpin, hein. Surtout ton artillerie, je suis content. Ça me fait chier. Mes guns sont précieux. Et ton infanterie me fait très très mal. Et ma cave aussi, hein. Ok, ça fuit, c'est bon. Oh, y'a tes mecs qui sont complétés là-bas. Ça. Tes chevaux légers. Oh, non, tirez pas. Ah bah, ils sont partis, c'est bon. Ça, ils ont bien pris tes artilleurs quand même. Putain. Victoire. Close victory, hein. Close victory, mais j'ai pris des pertes, hein. C'est ça le problème, c'est que j'ai pris des pertes. Galpin, il s'en fout, c'est le Bavarois. Bah oui. C'est le Bavarois. Je peux les sacrifier. Mes canons ont pris cher, j'ai des légers, de la cave qui a pris cher. Oh, un régime à 24. Oh là là. Wir triumphieren. Ja. Donc je sais maintenant où est ton armée. Oui, absolument. Ou Galpin, est-ce que tu veux la faire là? Je te ressource non. Le cul. Non, non. Non. Auto. Ouais. Auto-resolve, c'est parti. J'espère que ça va pas me coûter trop cher cette connerie. 75 mecs, je prends. Voilà. Ce qui fait que la Bavière est ouverte, Galpin. Où est Napoléon ouais, pour ouais. Protéger ton allié bavarois? Est-ce que je l'ai pas fait une erreur en l'envoyant autre part? C'est ce que je te demande justement. Alors, on va faire ça. Voilà. Ce petit engagement m'a fait quand même bien chier, hein. Et là, on va se plier. Là, au niveau cavalerie, on est bon.
Attends, mais j'ai pas d'armée là. Ah si, j'ai un général, parfait. Ok. Là, j'aurais fait ça. Et au niveau de thunes, j'ai un peu d'argent, Galpin. Je vais essayer de voir si je peux le dépenser. Vas-y, dépense. Ah, une armée russe, Galpin. Ah, merde. Kutuzov. Est-ce que c'est Kutuzov? Je crois que, vu le nombre d'étoiles, c'est pas un problème. Hein. Malheureusement, j'ai pas assez... Je crois que c'est... l'Archiduc Charles, chez toi, est invincible, elle peut pas mourir. Oh, putain, ça, c'est bon, ça. Chez les Russes, c'est Kutuzov, les Anglais, c'est Wellington, et pour les Prussiens, c'est plus cher. Puis okay. Pour la France, c'est Napoléon. Galpin, je suis prêt, à toi de jouer. Vas-y. Hop. Mon lien joue. Ouais, à l'anglais. Ok, je vois Nelson. Je vois le Prussien. Ils ont une année. Ça, c'est bien. L'armée russe. Ah, t'enlever les mouvements des IA, en fait, on peut pas voir... Bah, moi, je vois quand, c'est mes... quand j'ai les lignes de commerce, en fait, mais toi, tu vois pas, je pense. Oui. Mais quand ça sera tes alliés, tu verras. Oui. Mais vu que t'as pas d'alliés à part tes puppets... Ah, je vois l'Ottoman bouger, par contre. Ouais, ça me fait peur. L'Espagne. Hop. Toujours. Ok, c'est à moi de jouer. Hop. Je ne sais pas où est l'armée française. J'ai pas de map contrôle. C'est un énorme problème. Hop. Lager errichten. Je vais. Mais attends, pourquoi j'ai pas accès à ma grosse armée En soi, c'est la petite armée qui fait une embuscade en fait. Je me replie, hein. Aïe 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 aïe. Hop. Y'a combien de canons? Y'a 5 batteries de guns. Dis-moi, en plus, j'ai un petit avantage, je vais avoir la montgolfière au-dessus du terrain, donc je pense que je vais devoir, mais pas toi. Oh là là! Je me replie! Je tente une retraite stratégique! Mais j'espère qu'il va... est-ce qu'il va pouvoir poursuivre? Je pense que oui, hein. Oh, ok. Oh, la fuite! La fuite! Je fuis lâchement, hein! Oh, pas mon corps secondaire, Galpin! Non, il a pas la portée! La chance. Oh, il a pas la portée! Il s'est fait niquer! Il a été trop gourmand! Il a été trop gourmand! Ouf! Bon. Ah, ça change pas tant que ça à ma position actuelle. Oh non, mais non! Putain. Je voulais pas attaquer, pourquoi il me fait ça? Oh. Je voulais juste faire rejoindre l'armée. Ah ouais, en fait, dès que tu passes dans la zone d'influence, ils considèrent que c'est une bataille automatique. Oh, l'échec. Bon. Les armées autrichiennes sont en train d'être séparées. Oui. En effet. Mais j'ai une autre surprise pour toi, Galpin. Ah. On va faire une bataille. Bon, je vais essayer d'imiter les pertes, Galpin, je vais te défoncer. Hein. Ah, la vache. Et oui, Galpin, pendant que Napoléon est busy, pendant que le chat bouge, les souris dansent. Ton allié bavarois pas protégé. Tu sors d'où, toutes ces troupes? L'armée d'Italie, mon gars, j'ai vu que tu t'es barré. Bah, j'ai vidé l'Italie aussi. Ah. Et ouais. Quand je te dis que je suis fauché au niveau du trésor, c'est qu'il y a une raison. Bon, par contre, mes troupes, c'est de la merde, hein. Ouais, la mienne aussi, hein. Là, oh c'est là que de la milice. Oh là là, Galpin, ta petite milice, là. Là, c'est juste pour te faire des paix. Là, c'est pour faire de l'XP, Galpin. Tu vas me donner de l'XP. Oh,
J'ai une magnifique position. Bon, après, mon armée d'Italie, Galpin, c'est pas non plus des foudres de guerre, hein. On va pas se le cacher. Voilà. Hein. Je vais me servir de la ville. Galpin se replie en ville. On va détruire les bâtiments et compagnie. Get an eye stop, sir. Yes, sir. Moi qui espérais que tu ferais une charge frontale, Galpin, épique et glorieuse. Voilà, non. Quelle n'est pas ma déception. Oh, les pertes dans le bâtiment. Ouais. Ah ouais. Après, il y a une batterie de 12 livres et de 6 livres, hein. Donc ça fait aussi... Ah, les 10 livres, c'est très très bien. Oh. Aïe, 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 bah Galpin, tu te replies. Allez, le pauvre paysan qui vient de perdre sa maison, là. Regarde, si tu... Ah, merde. Ah, je pensais pas que c'était aussi efficace. C'est genre qu'on puisse voir toutes les unités sur champ de bataille. C'est vrai que ça, c'est un truc qui manque. Dans Empire, t'avais vraiment des unités fufu et tout. Ouais, même pour la cavalerie, enfin, tu peux pas perdre de mana de contournement parce que tu sais où. Enfin, ouais. Tu la vois, quoi. Oh, les légers! Ah, les légers, ça rigole pas. Bon, on va nettoyer Galpin. Doucement mais sûrement. Galpinus Rex. Hop. Allez les boys. Alors là, faut pas faire le malin. Par contre, c'est Munich, hein. Ça ouvre la porte de Munich, hein. C'est important, parce que je me débarrasse des alliés de Galpin. Il a voulu choper mon armée principale et il délaisse la protection de son allié. Infanterie zu Befehl. Allez, on se dépêche là, les gars. Chop, chop, hein. Mes guns, ça bosse là? Ouais, ça bosse. Je vois que Galpin a abandonné ses positions. Alors, dans une salle comme ça, et on sera bon. Ah ouais, une IA aurait chargé bêtement Galpin, tu vois. Ah bah ça, les IA. Ça moi, vient... je me servais de raison pour me protéger de ton artillerie, là. Ah, t'as bien raison. T'as bien raison de me forcer à venir te chercher. Il y a des grenadiers allemands, des fusils hongrois. Ah, de la milice. Moi, c'est même pas de la milice, hein, c'est des citoyens armés. Ouais, hein. C'est des citoyens armés. Hein. Moi, j'ai deux lampes vertes, hein, dans mon unité, dans mon armée. Ah, les hussards hongrois, pas mal.
Ils sont pas pressés au rechargement, les... Par contre, ça fait du DPS, hein. Voilà. J'avais des hommes là, moi. Ah, t'avais pas vu que depuis tout à l'heure, je tire dans le bois. Non, je savais même pas que j'avais des hommes à civilité, que j'ai dû oublier de déployer ça. Putain, incroyable, Galpin, le mec. Comme j'avais oublié mes citoyens, déjà que t'en as pas beaucoup. Oups. Oh, les pauvres diables, oups. Vous vous rendez compte, Napoléon, il dit ça. Oups. Oups. C'est pas grave, ce sont des Allemands. Pas faux. Mais bon, c'est ceux qui sont tes alliés quand même. Ouais. Ah, t'as perdu 3 cavaliers. Ah. Ah ouais. Au cac. 2-3. Ça a fait du dégât. Ça va être long ici à passer. Artillerie. Gruppenbefehle. Gruppenbefehle. Befehle. Là, le but c'est de minimiser les pertes, hein. Là, je suis en train de faire Napoléon cocu avec son allié. Ah ouais, tout ça parce que Galpin se retranche dans son petit bled de merde, il refuse la bataille ouverte. Il a bien raison, hein. Ah. Ah, j'adore le son que font tes Jaeger là. Oulala, tu lèves des hommes sur le terrain là. Ah oui. Batterie zu Befehl.
enfin la portée des sauts. Par contre, l'artillerie des bâtiments, c'est pas très efficace comme protection. Ah non, non, bah. Et en plus, c'est du 12 livres à bout portant, mmh. Ça fait des gros trous. Hein. Ah oui, t'as rapproché tes canons. Bah oui, tu croyais que ça allait slacker. Toujours ou quoi? Yes, sir. Oh non! Oh bah ouais, mais gaffe pas là, c'est chaud ce que tu fais. Hein. Aïe aïe aïe, bah ouais, c'est du citoyen armé, hein. C'est les clones du coin hein, à qui on file des armes. Hein. Hey, encore heureux, ils ont des fusils. Ouais, ils ont des fusils déjà, c'est pas mal. Hein. Tirez pas, y'a des mecs tirez pas. Artillerie sous Befehl. Mais con. Et là t'es mecs qui tiennent. Ça va lâcher ici, bien pas 92 sur 160. Ah mais t'as fait mal à ma langue verte ici, ok. Hop.
Hitler. We have taken the building, sir. Gerardstadt, meldet sich zum Dienst. Die Linie erwartet Befehle, sir. Linieninfanterie, bereit. Gerardstadt, meldet sich zum Dienst. Linieninfanterie, bereit, sir. Oh là là, Galpin, tu vas... N'y pense même pas, Galpin. Dégagez-moi cette racaille là! Allez les gars! Courez pour votre vie! Oh là 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 là, ici ça ramasse! Ici! Non, non, Galpin, non! Laisse mes légers tranquille! Oh là là, mes légers qui se font. Voilà, c'est bon. Hop! Allez, si ça fuit. On va pas pousser. Hop! Ils sont buggés, c'est con. Mais oui, ça lui coûte rien, Galpin, bien sûr, mais c'est tout le principe de faire, de laisser, d'avoir tout le temps un humain en face. C'est que moi, ça me fait des pertes que Galpin, lui, s'en fout. C'est pas son arrêt. Par contre, perdre la Bavière, bon... Voilà, quoi. Ils essaient de tenir. Putain, j'ai perdu 20 grenadiers, 30 de mon régiment de foot hongrois. Ça me coûte plus cher que prévu, hein. C'est bon, allez, on nettoie ça. Allez, la bataille, c'est important. Tu aurais dû prendre le taux de résolution. Je suis même pas sûr. Je sais pas à quel point elles sont punitives, les auto-résolutions sur... Ouais, c'est punitif, quand même. Ah ouais. Ouais, donc je suis pas sûr que ça en valait la peine. Ah, j'ai une unité à court de munitions, c'est laquelle? Mes légers sont quasiment incroyables.
Tes mecs là, ils me font tellement mal! C'est indécent! Et tes mecs là, elles se reforment à chaque fois! Ouais, c'est chiant, enfin, pour toi! Ah bah oui! C'est terriblement chiant! Et j'ai quasiment plus de munitions sur mes DG! Casse-couille à te dégager de cette maison de merde là. Et tes gars là qui tiennent à. Incroyable. Glorious victory, sir, is soon to be yours. La charge. Oh, t'es mec qui tiennent. Elle va me coûter cher cette bataille, Galpin. Bah, il faut ce qu'il faut, hein, quand même. Elle va me que je revienne cher. Pas à reprendre la Bavière, quoi. C'est la fin. Là, malheureusement, t'auras fait une belle résistance, hein, mon salaud. Oh, ouais. Là, ça m'a coûté cher. Hein. Mon armée d'Italie. On a exploité le terrain au maximum. T'as saigné ma lande verte. Mes grenadiers ont aussi pris cher. Là, ça me passe. Comment ils tiennent autant, tes mecs? Ils sont dans le rouge là-haut! C'est beau! Il y a le général qui est à côté. Ah, t'as encore ton GG, d'accord. Oui, s'il est mis dans la maison. Mon général, je suis mis à couvert dans la maison la plus éloignée. Allez, on rentre dans la maison, corps à corps! Ah, tiens, pas parti, mon 40 grenadiers quand même. Oui, oui, tu m'as fait, Galpin, tu m'as saigné. C'est rentable! Bon, tu perds un allié, mais. Tu l'as. Ouais. Voilà, ça s'est vendu charmant. Hein. Ça s'est vendu charmant. Hein. Allez, le foot, on rentre aussi. Allez, le foot. Le foot, ça gagne pas, ça rentre aussi, ça. Allez, on l'a eu. Ah. Ça va lâcher. Cette bataille m'aura coûté cher. Pourtant, ouais. J'ai été prudent. J'ai été prudent, hein. J'ai pas fait de folie. Je ne dis pas, mais tu aurais pu gagner beaucoup plus vite avec beaucoup moins de pertes. Ouais, très probablement. Mais bon, je suis pas un bon joueur. Oh, t'es, ouais, t'es perdu 200 mecs, ça va. Eh, hey, on récupère la Bavière. Hein. Hop. Puis, si je la libère, Galpin, ça devient mon allié, mon nouveau protectorat. Peut-être. Je sais plus comment ça se passe. Allez, hop. Regarde, Galpin. Et hop. Que fait Napoléon? Bon, j'ai le bug audio. Hop là!
Et en plus, j'ai, grâce à ça, je récupère des fusiliers allemands. Voilà. Allez, je mets les voiles, Galpin. Bon, par contre, là... Il y a un bug là. Ouais, c'est le bug audio qui arrive. Ah non, moi je parle à. J'ai l'armée d'Apollon qui est au Hanovre. Au Hanovre ? Ouais, je vois un gros stack là français. Donc on va voir si c'est un bug ou pas. Ouais, de toute façon j'ai fini mon tour. Attends, je vais voir si je peux construire 2-3 conneries. Et j'ai pas beaucoup d'argent. Je cherche à l'investir de façon intelligente. C'est mal. Et ça sera déjà pas mal. Allez hop, tour suivant, on va voir. Ouais, normalement Napoléon était au... Bah juste à côté de toi, entre la Bohème et la Bavière. Ah, lorsque tu crées un protectorat, tu reçois toujours 2 unités aléatoires. Putain, j'ai gagné 2 unités mines, bah ça compense les pertes que Galpin m'a fait. Ouais. Et maintenant c'est moi qui vais pouvoir me cacher dans les baraques, si Galpin veut venir me chercher. Ouais, pareil, avec mon armée Napoléon, t'as eu le nombre de canons qu'il y a. Ah bah écoute, je me replierai, voilà. Ah, l'armée de Napo a dû street retreat parce qu'elle pouvait pas marcher dans le territoire de la nouvelle Bavière autrichienne. Tu t'es fait dégager. Ah, putain, je me fais dégager au Hanovre. Oh, quel bug. La diplomatie. T'as été chassé. T'as été chassé, Galpin. Ah oui, on va être tactique. Ah, oh, putain, j'ai un plomb qui a retourné tout dans le nord au Hanovre. Oh. Oh là là. T'aurais peut-être... dû aider la Bavière plutôt que de me chasser alors que j'avais rien demandé à personne avec mon armée de singes là. Bon, au niveau de Tunas, oh là, je fais pas d'argent, Galpin, c'est la catastrophe. Hein. Alors. Comment je vais faire pour faire un peu plus de thunes? Et là, on va le tour suivant, ça devrait peut-être aller mieux. Là, pareil. Et à faire des armeries, c'est bien bon, mais... Si j'ai pas les thunes... Okay. Bah, Galpin a pas présenté le pass sanitaire de Napoléon, il rentre pas, hein. Monde cruel, hein. Bon, bah, j'ai pas un centime, là. Je suis fauché. Oh, y'a Landschaft. Hop. En plus, le Bavarois a sorti de la troupe. Hein. Infanterie de ligne bavaroise, écoutez, c'est parfait tout ça. Galpin, c'est quoi cette armée en Italie? C'est rien. Par contre, Napoléon est bloqué. Il a déclaré la guerre au Havre. Tu peux aller nulle part. Moi, je vois que t'es en guerre contre le. Mais tu. Ah oui, t'es encerclé! T'as été envoyé à la province la plus proche française! Bah, il va falloir peut-être dégager une des merdes. Ouais, il faut que je demande un faction mineur. Ou alors tu demandes l'accès militaire, Galpin. Ouais, c'est ce que je vais faire. T'as peut-être la Saxe, le Castle. Hop. Et hop, je vais lui donner des technologies. En effet, Andrew, laisse-moi voir ça. Ouais, je sais pas. Hein. Ouais, t'as peut-être pas tort. Hein. T'as peut-être pas tort. Ça avait quand même des bonus pas dégueulasses. En soi. Pourquoi ça veut pas aller en S? Il a accepté au moins? Oui, il a accepté. Ah putain, y a pas de pont, faut que je passe par la Prusse. Ah putain, est-ce que la Prusse a accepté l'accès militaire? Nation majeure, Prusse. Galpin qui a pas voulu défendre la Bavière, tout son plan de jeu qui tombe à l'eau. Magnifique. Ça va être cool de libérer juste pour faire chier Galpin. Hop. Ça va peut-être me faire gagner un ou deux tours. Région. Non. Accès militaire. Hop. Tu tapes dans ton trésor pour l'amadouer. Ah, c'est bon, il a accepté. Et merde. Ça aurait été amusant qu'il amène la flotte française pour devoir embarquer du Hanovre.
Alors, toute la flotte française, elle est occupée ailleurs. Ah. Hop. Bon, allez. Fini de jouer. On va ramener des renforts. Hop. Davout, ramène ta fraise. Ah, Davout. Ouais, t'as raison. On va faire ça. On va faire ça. Le problème, c'est que j'ai pas tant que ça d'argent. Péter des bâtiments, c'est aussi sacrément contre-productif de me demander de péter des bâtiments. Alors, j'en ai beaucoup d'autres à construire. Donc là, pour l'instant, est-ce que j'ai le besoin urgent, immédiat? Non. Pour l'instant, c'est lancer mon économie qui est plus important que de faire ce que tu veux. Gouvernement, c'est parfait. Ah, mais du coup, toi, je peux t'évacuer aussi. Enfin, je peux pas le tenir. Allez, hop. Ok. Allez, c'est parti. Fin du tour. Allez. Ah, Galpin qui s'est fait cuck. Oh putain. Oh. Alors là, normalement, mes revenus vont à peine augmenter. Bon, cette armée française me fait un peu peur. Mais. Me fait-elle vraiment peur? Y'a quoi, Galpin, dans cette armée? Aïe aïe aïe, regardez ce qui est là! Bonaparte qui est de retour! Eure Lordschaft, ändere Position. Ah! Euer Wille? Ok. Belle petite armée. Sir, eure Befehle? Marsch! Sir, eure Befehle? Sofort! Ouais, je pense qu'on met l'Allemagne suffisante. Faut que Pépé part vers le sud. Ah ouais. Il va maintenant falloir défendre la Bavière. Non, c'était juste un tampon pour le forcer à aller là. Comme ça, je sais où il va, je sais ce qu'il va faire. Il y a de la troupe, il y a du citoyen armé, je vais lui faire des pertes comme il m'a fait. Si je peux saigner quelques-uns de ces très belles unités-là, c'est parfait, moi, ça va sur temps de temporiser. J'ai besoin de temps, moi. Écoute, Galpin, je crois que j'ai fini. Vas-y. Où tu vas, Kutuzov? C'est Kutuzov, Galpin, en effet, c'est Mireille Kutuzov. Avec une jolie petite armée, il y a du grenadier et tout, du mousquetaire, je voudrais bien qu'il soit utile. Est-ce que le fait que j'ai libéré la Bavière n'a pas rechangé les ordres de Kutuzov? Oh, je pense que si. Oh, ça a foutu une telle merde, Galpin, que tu défendes pas la Bavière? Je vois des armées prussiennes. Il va pas en Sibérie, il va dans l'autre sens. Paris, c'est dans l'autre direction. Oh, le russe qui rentre chez lui, c'est... Max, il dit c'est bon, l'autre qui a plus besoin de nous. Allez hop, mec, on rentre à la maison. On rentre à la maison, j'en ai marre. On dit que les armées Napoléon ont beaucoup marché, mais les armées russes aussi. Hein. Les russes ont toujours beaucoup marché, Galpin. Hein. En fait, c'est pas que les armées de Napoléon, c'est au 18ème, tout le monde marche. Hein. Quand tu vois les guerres de succession d'Autriche, d'Espagne, les mecs, les Français qui vont prendre Prague, ils ont marché, hein, pour aller prendre Prague. Hein. Bon, Galpin, qu'est-ce que tu me réserves là? Je vois Napoléon là-haut. Où ça va aller tout ça, Galpin? Tiens. Qui était le général qui s'est barré, là, Galpin? Mortier. Ok. Hop. Je vois que t'as renforcé l'armée de Napoléon avec l'autre armée, Galpin. Je suis bien au courant, hein. C'est une campagne qu'en Europe. Alors malheureusement, Bozuta, dans Napoléon, tu as que... n'importe quoi, tu n'as que l'Europe. Ce qui est bien dommage, d'ailleurs. Ça sort d'où, ça, Galpin? C'est une partie de ma flotte. Putain, tu viens harceler les côtes croates avec tes corsaires, tes détestables corsaires. Voilà à quoi t'en es réduit, Galpin? Oui. Ah, oh, il fout le feu, il a foutu le feu à mes ports. Et il attaque mes lignes de commerce. Avec du 32 gun, là, des petites frégates. Ah ouais, mais ça il a trop peur d'aller affronter les l'anglais. Il vient faire le tapin sur mes côtes. Ah, si seulement l'Ottoman avait une flotte. Hop.
Ah, bien vu, c'est Rekai. J'avais oublié ça, en effet. Bien joué, Gatpin, la petite flotte, là, les... J'ai le Prussien qui m'a donné des techs avec son accès militaire, oh, c'est parfait. Il est copain avec le Prussien. Ok, Napoléon qui part vers le nord, Galpin. Où tu vas, Galpin? Galpin! Ah oui, il n'a pas pu toucher mon port parce que j'avais rien construit dans le port, j'avais pas vu le port! Il n'y avait rien de base! Oh, Galpin, tu t'es fait niquer avec ta petite flotte. T'as lâché quelques boulets sur les trois huttes de pêcheurs du coin, tu sais. Par contre, Galpin qui part dans le nord, ça m'inquiète parce qu'il pourrait préparer une descente. Il y a la flotte hollandaise. Attends, il y a une flotte anglaise qui est là. Bon, là, mon cauchemar, c'est que Galpin fasse une descente en Angleterre pour essayer pour faire la descente. Hop, tac. Relation diplomatique. J'ai perdu le contact avec l'armée d'Italie. Ce qui me fait chier parce que y a son allié italien a aussi une belle armée. Pardon. Bizarrement, quand c'est moi le protecteur, je peux te dire que la Bavière, ça sort des beaux trucs, Galpin. Hein. Je sais pas ce que tu lui faisais à ton allié là, mais. Hop. Oya Majestät. D'ailleurs, j'ai un peu d'argent, on va continuer à l'investir. Agent recruté, nice. Un nouvel agent, ça fait mes affaires, j'en avais désespérément besoin. Il faut pas que je perde Napoléon de vue. T'es remonté vers le Hanovre, Galpin. J'ai trouvé Napoléon. Qu'est-ce que tu prépares, Galpin? Surprise. J'espère que tu vas pas attaquer la Prusse. Attends, mais il y a aussi... Non. Il y a l'armée suédoise qui est là-haut. Je suis très inquiet. La Bavière. Dans le port croate. Merde, il y a que des bateaux de pêche. J'avais même pas vu que j'avais un port en fait, Galpin. Par contre. Le problème, c'est que toutes ces petites actions de feu, mine de rien, m'ont coûté cher. Galpin me fait peur avec... Au moins, je sais où est Napoléon, mais je sais pas où il va aller. Est-ce que ça part vers le nord? Est-ce que ça tente de passer un guet vers le sud pour aller attaquer Prague? Est-ce que je mets un fort à Prague, mais j'ai pas l'argent? J'ai peur! Mec, vous êtes là depuis 1000 ans, vous avez même pas mis de route, quoi. Alors, oh, ennemi raid à Split, c'est ça, ouais. Victor Durand, le nom de ton corsaire, Galpin. On ne l'oubliera pas, lui, hein. On n'oubliera pas. Il est protégé, hein. Il a ses lettres. C'est vrai que Galpin peut aussi attaquer le Suédois. Les Suédois se souviendront de Bernadotte. Mais... Comme je dis, j'ai... Nachschub organisieren. Wie kann ich euch dienen? Sir. Eure Befehle, mein Kind. Ok, écoute Galpin, je crois que je suis prêt. Vas-y. Let's go. Au moins, je vois des choses qui me rassurent. Par contre, quelle armée prussienne? Alors, on est sur de la histo totale, mais c'est très amusant parce que je suis surpris de voir Galpin pousser dans le nord. Ça prépare un mauvais coup. Est-ce que Galpin, tu prépares un mauvais coup? Pourtant, je suis un très bon coup. Hein.
Ouais, ça, c'est ce que toi, tu crois, Galpin. Oh. Quel empire ottoman qui dégage les troupes, ça m'arrange. Vas-y, tire-toi. Oh, Istanbul, mais quel nom détestable. Oh là là, Galpin. Ok, à Galpin de jouer. Galpin, où va Napoléon? Bouge-le tout de suite. Le chat veut aussi savoir. Alors. Est-ce que ça part vers le suédois? Hop. Tac. Ah. Non, il veut pas négocier celui-là, enculé. Tu voulais de l'accès militaire, quelqu'un? Peut-être. Avec qui? Ah, parfait. Tac, mon Napoléon. Aïe. Oh là 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 là, ça va... Non, ça va pour Prague! Non, Dresde, aïe. Ok. On a une marche en Europe centrale. L'électeur de Saxe au nord. Au sud de Prague. Ça fait pas mes affaires, ça. Eure Befehle, Majestät. Oh, il vient attaquer le port de Venise. Il dévaste tout. Hop, on va lancer quelques constructions. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on va construire? On va recruter encore un régiment. Allez, ça me paraît bon tout ça. Je suis vers le sud, je passe par le nord. Il y a même pas de mur à Prague. Heureusement que j'ai pas investi d'argent à Prague. J'avais peur que ça. Cette situation arrive, Galpin, figure-toi. J'ai Charlie dans l'Adriatique avec ma flotte. Ok, ici ça commence à avoir de la gueule. Was wünscht ihr? Beobachte eure Feinde. Tauche unter. Je peux pas. Tu me mets face à un choix difficile, Galpin. Et après la Bohème, il y a la Hongrie. Eh ouais, ça me met dans un choix difficile. Face à un choix difficile. Mais pas impossible. Là. Et j'ai pas beaucoup d'argent, Galpin. Moi non plus, j'ai pas beaucoup d'argent. Voilà. Je gagne à peine 2000 par tour. Ah, pas con ça. Puis toi, t'as un avantage, t'as plein de stratèges dans ton chat. C'est vrai, il me donne des tips. Bande d'enculés. Vous êtes des traîtres à votre pays, messieurs. Ok, Galpin, j'ai fini mon tour. J'ai très très peur. Aïe. Heureusement que j'avais pas investi d'argent à Prague. Hein. Je l'ai pas vu venir, le petit move par le nord, là.
Bah, c'est l'opportunité, puisque j'ai utilisé le poignet Warner, sinon je serais pas passé par là. C'est des circonstances qui ont fait que... Ah merde, malheureusement il va réussir à prendre avant que ce soit détruit. On va essayer de faire une belle résistance, hein. Ah bah il est belge, donc il... Oh putain, Galpin, ton allié italien qui fait une sortie. Oui. Oh putain, ça je m'y attendais pas du tout. Oh, il a une belle armée. Je me replie. Normalement, il a fait du sacré chemin, je devrais pouvoir temporiser. Ok, c'est mais, bon. Mais Venise est vide. Et la Suisse arrive en plus, parfait. Oh mais putain. Et moi, mes alliés, ils en gagnent pas une. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ah, quoi? C'est la Prusse qui a rompu son alliance. Avec toi? Oui. Ah, tu étais allié à la Prusse en plus! Oui, je m'étais allié avec elle. Putain! Nation majeure. Je vis l'Ottoman en tech. Hop. Donc. Heureusement, j'ai pas foutu un centime dans Prague. Hein. Heureusement. Hein. Oh, il détruit tout. Il détruit tous mes ports de commerce. Galpin, j'avais déjà pas d'argent. Oh, je perds de l'argent maintenant. Et j'ai pas de flotte. Et si seulement l'anglais il venait filer un coup de main. Tiens, donc regardez qui est là. L'armée française. Ouh là là, et l'armée française, elle rigole pas, l'armée française d'Italie. Oh là là, là, il y a du monde en Italie, hein. Il y a du monde dans le nord, il y a du monde en Italie. Hop, tac. Bon, maintenant on a ça sera pour la prochaine fois, hein. French shooter, oh là là, oh là là, allez hop. Écoute, mais moi, fais-le en auto si tu veux, je vais pas la mettre en attaque, ça sera rien. Ok. Là, bah, j'ai mis assaut, moi. Ah, t'aurais pas dû, t'aurais dû mettre auto-resolve. Ah, merde. Ah, Galpin, je vais faire quoi? 5 batteries de gun. Ah mais putain, il a des alliés qui sont OP et les miens, ils en glandent pas une. C'est terrible, là. Ah, t'as même pas de village. Oh, bah, c'est parfait, ça. Ah oui, je suis en... Ah oui, d'accord. Je suis en race campagne. Ah ouais. Ah bah écoute, Galpin, ça va être du tir au pigeon, hein. Ah ouais, bah là, la populace... Aïe, aïe, aïe. Et au moins, ils ont plus la peine de leur filer des uniformes. C'est les guides, ses alliés veulent l'aider. Mais non, et moi, les miens, ils demandent quoi? Mes alliés, il fait quoi, le russe? Il est où, Kutuzov, hein, quand on a besoin de lui, hein? Et le Prussien, il fait quoi? Il s'est allié aux Français! Ah, mais il a rompu son alliance tout de suite. Ah, bah ouais. J'ai négocié quand on a fait notre accès militaire, mais. Bah non, je voudrais bien qu'il déclare la guerre, peut-être, Galpin. Ah, il est dans les Alpes autrichiennes! Oh là là, d'accord, c'est. Mais bon, il passe son temps à se balader aussi, hein. Oh là là, oh là là, oh là là. Sir! Oh, sir, our general is under attack! Le malaise. J'ai 2 livres, 2 d'huit livres et 1 de 6 livres. Le malaise. Le malaise le plus complet.
Où? Oh, les pertes que j'ai déjà pris! Allez! Tirez! Our men are running, sir. Oh, et puis là, les légers. Oh là là, oh là là, oh là là, le drame. Les voltigeurs. Mais c'est pas fait un seul mec! Oh non, les canons, on y était presque. Ah, là, il y avait la grande batterie, là, ça picote quand même. Hein. Ok, on a réussi à tuer du voltigeur, 20 voltigeurs. Oh là là, bon bah Galpin, je crois que c'est bon. Hein. Ah non, il y a des mecs qui sont reformés, Galpin, tire dessus. Oui. Ouais, toute l'artillerie là, les mecs. Ouais, mais Galpin il. Ouais, après, t'as eu raison parce que t'aurais pris des pertes à cause des hommes. Ouais. Mais j'aurais pu faire le surrender. Ah oui, mais fallait le faire. Ouais, j'y ai pas pensé. N'hésite pas à le faire hein, si. C'est une batterie de canon là. Eh hey, les mecs résistent bien hein, sous le feu là. Écoutez, on a ouais. Tout perdu mais on y va. Ah, hein. Ils sont sur une seule ligne. Donc le boulet, il faut qu'il y ait un homme ou deux quoi. Ouais, la mitraille, Galpin. La mitraille pour la racaille. Ah, j'ai un autre qui s'est reformé là-bas. Et là-bas, ça s'est reformé aussi. À l'attaque. Là, on a tué un artilleur. Monsieur. Là aussi. Bon, c'est pas brillant. Hein. On a tué 30 gars, hein, max. Hein, dans cette affaire. Hein. Dans cette triste affaire. Surtout qu'il a pu placer sa grande batterie parce qu'en plus, il y a la montgolfière derrière. Donc, il a vu mon déploiement. Les citoyens de Bohème contre la racaille française. Oh putain, ça va pas bien se passer. Hein. Le canon est prêt, monsieur. Allez, une salve. Tue oiseau une dizaine. Pas un sol est tombé. Je suis à couvert dans le bois aussi. Hein. Ça n'empêche. Oh, les voltigeurs qui sont exposés. Allez, chopez-en un ou deux. Allez, la baïonnette. Ah, on en a eu trois. Allez, on en... Voilà, allez, chopez-moi ça. Oh, ils vont paniquer, les pauvres.
Alors, on en a eu un. Tu te rends compte à quoi tu me forces, Gaspard? On en a eu deux, ouais. Trois. Quelle victoire. Oh, je peux avoir repris, ouais, une centaine de pertes. Même au Gaspard, tu rigoles, t'as 40, max. 30. 40. 30, 30, je pense. Ouais, 40. 28, regarde, 30. 28. Ah, ça va. Allez, Galpin a pris une ville vide, mais c'était quand même une belle ville. Ça me met dans le mal. Hop. Ok, t'es là-bas, toi. Ok. Bon, c'est parti. Ah non, merde, je peux encore dépenser ma thune. Hop. Je pensais pas voir l'Italien sortir une telle armée, putain. Hop. Ah, je vois que ouais, le gros ton armée est quand même autour de la Bohème. Hein. Ouais, mais ouais. Attends, on va peut-être avoir une très grosse bataille, Galpin. Genre une très très grosse bataille. Moi, ce qui me fait chier, c'est que je peux plus libérer la Bohème, quoi. Ah, pas t'as libéré la Bohème. Non. Il y a beaucoup de canons en face. Galpin, est-ce que tu vois la bataille qui se prépare là? Oui. C'est ton Austerlitz à toi, hein, Galpin là. Hein. Galpin, c'est parti. Hein. Ah, vas-y. Oh là 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 là. Ok. 1900. Ok, je suis en défense. Parfait. On va tenter. Hop. On va tout miser sur les canons. T'as pas le choix là. Par contre, attention là, Galvin. Hein. C'est pas du citoyen que je vais avoir. Hein. Ouais. Par contre, tu vas avoir la vision. Ça me fait chier. Ouais, Napoléon avec son petit ballon là. Ouais, c'est mon golfière, le mec. Il voit où je place mes troupes et tout. Ça va quoi. Ah putain, c'est une ville. Oh, fais chier. Ah, bien sûr que c'est une ville. Ok. Hop. Batterie zu Befehl. Sechs Pfünder bereit. Tu as mon armée, toi ou pas? Non. Ah. Je ne vois pas ton armée, Galpin. Ah, ça, c'est grand désarroi. On va les couvrir ici, la première là. Okay. Oh là là, lui me voit, il me voit. Oh, t'as peut-être fait une erreur là, Galpin, tu sais. Pourquoi? Parce que maintenant je peux déplacer mon armée et toi plus. Si, je peux encore, moi. Ah ouais, tu peux encore, même en ayant cliqué ouais. sur prêt. Ah, ouais. Je ne savais pas. Donc t'es chasseur sur le front. Là, ah, voilà. J'ai essayé, Galpin, j'ai essayé.
Ouais, tout ton dispositif. C'est pas le droit de la perdre cette bataille. Disons, t'as le droit de la. En fait, t'as pas, non seulement t'as le droit de la perdre, mais t'as pas le droit de la perdre avec trop de pertes. Ouais. Oh putain, le coup de stress là. Oh, puis cette masse de chasse. Zu Befehl! Putain! Yes, Ouf! Au secours! Okay.
Our men are running, sir. J'ai loupé mon orbe, je le déteste. Ligne d'infanterie, are running, sir. J'avais l'enjeu de la direction, je t'emmerde. Putain de connard qui vient parler pour la première fois dans le chat, qui me dit même pas bonjour. En mode... je déteste ça, tu vois. Connard, c'est la première fois que je joue à ce jeu de merde. Qu'est-ce que tu viens me parler? Allez, backseater infernal. On joue en chill là! Va trouver d'autres gens à faire chier sur Twitch! Doit bien avoir plein d'autres de connards là qui jouent à Napoléon! Terrifiant! Ah, le mec, on affronte Napoléon! Hein. On a la grande batterie, Galpin qui campouse. Oh, faut pas que tu lances. Faut pas que tu lances des charges comme ça. J'en crois pas que j'ai d'autres soucis là. Non, c'était pas un attaque, j'ai accroché. L'abattoir, je me fais éclater. Hein. Moi, j'ai insulté personne. Je m'en parle! Tu viens de péter les couilles en disant ce que je dois faire! Alors que t'es même pas poli! On t'a pas appris les bonnes manières! Quand tu vas chez quelqu'un, dire bonjour aux gens! Fais ci, fais ça, mais putain, j'ai d'autres soucis là! Ah, elle est mal élevée. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, c'est un désastre à la Austerlitz, hein. Mais non, mais... Oh là là. C'est un random du chat, un random qui a vu que je jouais, il s'est dit je connais pas ce mec, il fait de la merde, je vais bien lui dire ce qu'il doit faire. T'imagines, tu vas chez un mec, tu vois que son papier pépien est merdique, tu lui dis... Ah oh, salut, c'est la première fois que je viens, mais ton papier peint est quand même vachement merdique, hein. Tu vois. Hé, connard. Tu viens faire ta déco, s'il te plaît. C'est exactement ça, tu vois, mais les gens se rendent pas compte, en fait. Ils comprennent pas que Twitch, c'est pas juste... Oh, je viens dire ce que je veux, non. Là, je me fais exploser, je le sais. J'ai pas besoin qu'on vienne en plus me faire la morale. Tu vois.
Oh là là. Le désastre. Ouais. Bon, ma cavalerie, elle a fait le café, là. Complètement. C'est bon, arrête. Bon. Par contre, si tu charges mes canons avec ton général, je peux tirer dessus. Hein. Bien sûr. Ah oui. Ah merde, d'accord. Oh mais non, il se replie dans le mauvais sens. Ce bug est encore là. Mais non. Je déteste l'IA. Putain de jeu de merde. C'est vrai que c'est un vieux jeu, mais que c'est frustrant qu'ils aient jamais réglé le problème de contourner. Ah oui, bah là, Galpin, il a une position parfaite. Oh man, I'm running. Mais oui, mais là, je lui ai dit de fuir à ce con. Bah forcément, il s'est... Les mecs sont partis sur les... bah voilà. Je lui ai dit de fuir, il a fui face au canon français. Putain de jeu de merde. Ah oui, bah oui, les mecs ont jamais... voilà. Bon bah on s'est fait éclater le cul, hein. Surtout les Total War. Bah oui, c'est pas comme si le jeu avait été codé par des professionnels. Hein. Et non, mais là... Non mais pourquoi vous allez là? Vous devez vous replier de l'autre côté. Oh là là. Non mais... Regardez ça, je leur demande de se barrer. Ok, voilà. Bon, on s'est fait péter la gueule. Galpin en mode campouse avec ses canons sur la colline. On va l'essayer. Et les experts l'expert du chat qui vient me dire écoute, faut pas charger comme ça. Connard, t'as vu la position sur laquelle il est? J'ai aucune chance de gagner cette bataille. Faut pas charger comme ça, hein. Putain. Comme si ma vie était pas assez merdique, je dois récupérer tous les connards de YouTube, de Twitch qui viennent me dire ce que je dois faire, quoi. Si au moins il était... Si c'était un mec de chez moi, d'habitude, j'aurais dit ferme ta gueule. Et là qu'il aille voir ailleurs si j'y suis... Oh là là, le désastre. Le désastre. On va essayer de sauver ce qui peut l'être. Faut pas être défaitiste, bébé. Bah écoute, c'est pas toi qui viens de te faire sauter là. Galpin là, il a pas pris beaucoup de pertes. Félix, hein. Ah bah il a le ballon d'observation et tout. On aurait peut-être dû jouer en difficile en fait. Hein. Mais c'est Galpin qui a fait sa salope et qui voulait pas jouer en difficile. Hein, en difficile, hein. La prochaine fois, Galpin en jouera en difficile. Hein. Parce que je... C'est encore plus balèze que ce que je pensais, tu vois. J'avais aucune chance de gagner cette bataille. Même avec mes deux armées. T'aurais dû me laisser sortir. T'aurais pas dû faire la bataille. Non mais Galpin, j'ai aucune chance. Là, ils sont sortis, c'est que... Et si t'aurais été en défense, j'aurais été obligé de venir te chercher. Ça aurait pas changé grand-chose. T'aurais amené tes canons, t'es... Les canons, ils tirent le bout de la carte. Oh là là, la fessée. Bon, Galpin a pris 352 pertes. Ouf. Bon bah on fuit la queue entre les jambes. Moi je vais recompléter tranquille. C'est con, il n'y a aucun bâtiment pour recompléter, ça va être long. Oui. Ouf. Bon j'ai pris la fessée, hein. Bah, j'ai une unité de cavalerie qui a disparu quand même. Ouais, bah, ça va, Galpin. T'as une unité de cavalerie qui a disparu. Ah mais lancier. Ah là, face à tes légers, là, ils ont fait le café. Eh, mais légers ont été de loin l'unité la plus rentable de l'armée. Ouais. Ah, mais les légers autrichiens, c'est de la folie. Ouais. Ils ont et tu travaillé. Sais que moi, avec les légers français, je peux poser des piques. Ça, c'est bien. J'ai posé des piques pour protéger mes canons devant eux. Oh non, ok, putain. Quel misclic, bon, c'est pas grave. Et tu sais, toute mon opération par le nord. Je sais même pas comment t'as l'argent pour te payer deux full stacks comme ça. Oh là là, armée détruite. Oh là là, la Saxe qui a. Oh là là, tous les messages d'alerte. Le désastre. Moi, je suis tendu niveau pognon. Ouais, mais tu gagnes. C'est ça le plus important. C'est que t'arrives à être rentable. Yeah, game and study.
la fessée. Incroyable. Et où sont ces connards d'Autrichiens, hein? Ça, on les attend, hein. Le russe est en Bavière. Ouais, mais bon, la Bavière, c'est... Je m'en fous, moi, c'est chez moi. J'aimerais qu'il soit plus actif. Bah oui, mais on est dans la merde, hein. On est dans la merde, hein. Et en plus, Galpin, ses alliés l'aident. C'est ça, le truc. C'est qu'il y a une énorme armée italienne. Par contre, l'Italie. Chez moi, ça englande pas une, quoi. Le Prussien ne joue pas. J'ai crash. Oh, ah non. C'est bon, je suis revenu en game. Ok. Je sais pas, ça retourne sur le bureau, je sais pas pourquoi. Écoute, je vais dépenser le peu d'argent que j'ai. On va aller voir l'état de mes finances. C'est la catastrophe. Une catastrophe sans précédent. On va devoir peut-être augmenter les impôts. Oh là là. Ok, non. Hop. Ok, oh là là. Ouf, c'est pas brillant, hein. C'est pas brillant, mais y a pas le choix. Et encore. Ouais. Oh la merde. Je sais pas si on peut, hein, ça. Hein. Ah non. Ah. Ça par contre. Là. Peut-être en essayant. Ouais, mais bon, si. Non, je peux même pas faire ça. Non, je sais pas. Tant pis. Peut-être. J'essaie de faire un truc, Galpin. Ah, ça me fait peur quand il dit ça. J'essaie de faire un truc, c'est trois mots qui me font plus peur dans ma vie. Hop. Hop. Ah non, ouais, c'est ça. Oh là là, c'est pas grand chose, hein. C'est vraiment pas grand chose, hein. Et peut-être. Eh. Hey. Oh, j'ai. Allez, peut-être que l'IA sera réceptive à ça. Non. Ah non, il a raison de pas accepter. Il a raison de pas accepter. Ah, tu veux faire rentrer quelqu'un en guerre? Oui, j'essaye toujours, Galpin. Attends, le chat me donne des tips. Ah, enculé. Le chat, Galpin, me donne des tips. Bon, donc, vous vous rendez compte que vous jouez contre la France, les gens du chat, bande de traîtres. Hop. On va. Pépé, t'as un chat de suceur de casque à pointe. De suceur de casque à pointe. Ah, ça, j'avoue. Galpin, on est désespérés. Hein. Au grand mot, les grands moyens. Hein. Allez. Ah non, non. Clear offer. Your demands. Non, j'ai fait un misclick. Oh, il faut que je recommence. Allez, on recommence, pardon. Voilà. Hop. Allez, c'est ma dernière tentative. Hein. Après ça, on est désespéré. Allez là, le Prussien. Oh, il a accepté. Oh putain. T'es en guerre contre la Prusse. Ok. Ok. Par contre, ça m'a coûté cher, Galpin. Ça m'a coûté très très cher. Hein. Je vois que le Prussien a des belles armées. Ok. Je suis dans la merde. Hein. Je suis dans la merde. Et j'ai été surpris par les moves de l'IA en plus. Hein. C'est ça le truc. Hein. Tout suivant. Bon, le Prussien. Ah, le Prussien, il se bat. Oh, et le Russe qui m'aide pas, c'est terrible. Bon, ça va, le Prussien, j'ai de quoi lui donner des terres pour faire la paix. Je lui donnais le Hanovre, j'ai rien développé. Tu vas brader le... Putain. Oh là là, mais l'Italien qui est chaud. C'est okay. Histo, hein. L'Italien, putain. Cette bataille, je vais la faire. Parce que les renforts vont arriver au compte-gouttes. Galpin, je vais la faire cette bataille. Ou alors si je me replie. Oh non, je pourrais pas me replier sur Venise, pas le choix. Oh là là. La situation de l'Autriche est difficile. On n'est pas désespéré. Ouais, si, quand même. Hein. J'ai encore quoi me battre. Mais cette bataille a fait très très mal. Hein. Je savais que le Français était fort, mais pas à ce point-là. On a dû tenir le siège. Ouais, peut-être, ouais. C'est moi qui serais venu te chercher. Ouais, peut-être, ouais. En effet.
Quand tu m'attaques et je dis. Yes. Je pensais que t'as juste massagé, que je prenne de l'attrition pour m'obliger à sortir. J'aurais dû, gagner. Mais bon, comme le dit l'expert du chat, t'aurais dû, tu vois. Ah, elle est belle la campagne italienne. Par contre, c'est chiant si jamais d'où proviennent les renforts. C'est vrai que ça, ça manque quand même. Hein. Moi, je vois pas tes troupes. Hein. Toi, je sais pas si tu me vois. Je te vois, Galpin. Ok. Ils disent Seigneur Sith, mes mecs. Seigneur Sith. J'adore. Oh, j'ai perdu 10 mecs. Merci d'avoir tiré dans mon général. Je suis pas comme sur ton général. Si. 4 mecs me tuer en général. Ah merde. C'est pas grave. En fait, c'est que t'as tiré dans automatiquement dans l'infanterie. Ouais. Et que le général était derrière. Je vais te donner ça. Hop. Vous arrivez pas au meilleur renfort. T'es vraiment du bon côté, ta cavalerie. Allez, hop. We've taken the buildings up. Sans blague. Oh putain, j'aime pas ce brûlage. Ah putain. Ah Bosch Léral. Non, oui, je ne le fais pas. Allez, hop. Ah, mon général est mort. Ah,
Non mais cours toi, putain, il court pas, mais les régiments qui ne courent pas. Ouais, faut à chaque fois leur dire de courir. C'est extrêmement frustrant, putain. Our men are running, sir. C'est une sacrée armée italienne qui arrive, hein. Ouais, full infanterie. Les canons sont en train de faire un carnage, hein. Je vois ça. Ah, tu me pousses tes... Mettons toute la masse qui se pointe sur la gueule. Oh putain, enculé. Je n'avais pas vu ça. Si ça tient. Incroyable ton infanterie là-bas, comment elle tient bien. Ouais, l'infanterie de l'unité italienne. Magnifique, hein. Ils sont beaux les uniformes italiens. Hop, tac. Et voilà. Cette bataille va me coûter très très cher. Oh là là, Galpin! Galpin, est-ce que tu penses que ça va passer? Oh, la mitraille! Oh, ça tient! Oh, ça panique! Oh, putain! L'enfer! Oh, c'est là-bas, chaud! Il y a des zones qui arrivent là-bas!
pas la gendarmerie française derrière. C'est ça. C'est une bataille galpin qui me coûte très très cher, tu vois. Oh, mais après, l'armée italienne, mon ami italien n'aura plus de trucs. Ah oui, là c'est toute son armée qui est là. Faut pas que je fasse la même erreur avec la Bavière. Allez, belle bataille. Oh, il s'est assez reformé là-bas. Allez, la mitraille. Allez, ça panique. Oh, le move galpin, c'est de la line. GG. Oh non, mon général, passe pas devant les guns. Oh, land vert contre ligne, j'ai peur, galpin. This building has fallen to the enemy. Oh merde, non, 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 pas là-bas, pas là-bas, pas là-bas, non, oh, ma cavalerie s'est reformée, c'est une blague. Allez, craque avec ta ligne de merde là. Oh oh oh, la, le canon dans, oh, dans les carrés. Dans les carrés, ouais, j'avoue, c'est ça là, mais bon. Oh, t'as fait bobo. Après ce que tu m'as fait avec ton français, galpin. Oh. Imagine ça avec 6 batteries de gun. Ouais. Allez, ma lampe verte, elle tient, mais je sais pas pour combien de temps. Il faut que je mette des renforts. Oh là là, ta lampe verte. Allez, elle panique. Ma lampe verte, ouais. Putain, elle s'est saignée, ma pauvre lampe verte. Hein. Ah ouais, elle a perdu un quart de séquence. T'as tout pris, hein. Ouais, il me reste plus qu'un régiment d'infanterie. Oh putain, cette bataille galpin m'a coûté très très cher. Surtout au niveau cave. Ouais, mais ma cave a été décisive, j'ai pris les canons. J'ai essayé de prendre le maximum. Ouais, elle m'a coûté, ça m'a coûté cher tout pour. Hein. Attends, tout est perdu. Il y avait une très très grosse armée italienne, hein, ouais. Plus nombreuse que moi. Hein. Le problème, c'est qu'il y a une armée française derrière maintenant. Ça a ouvert le terrain. Les canons ont été mes MVP hein, sur cette bataille. Hein. Mes guns là, je sais pas combien de kills ils ont fait, mais. Incroyable. C'est le général que j'ai envoyé en Italie. Non. D'avou. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Allez, chopez-moi la line là. Bon, les canons, ouais. Cessez-le-feu. Avec la meilleure unité de cavalerie du jeu. Et tu peux te permettre en plus, hein, c'est ça le truc, c'est que j'ai. J'ai les bases, c'est les grenadiers à les grenadiers. Malheureusement, j'ai. Mais le problème, c'est que. Galpin, il a voulu jouer en normal, mais les IA, ils font pas chier en fait. Genre, il est tranquille, il fait 1v1 contre moi avec ses alliés. Puis moi, bah. Je peux pas affronter Galpin en 1v1, j'ai besoin de des alliés, mais bah, ils foutent rien en fait. C'est terrible. Peut-être que la Prusse va faire quelque chose, on va voir. Oh là là, cette bataille m'a coûté cher. Cette bataille m'a coûté incroyablement cher. Au moins, pour voir, le jeu est très stable. Eh, le jeu est stable, hein. Sur ça, c'est chouette. Hein. C'est cool, hein. La campagne est fun, après, c'est... Ouais. C'est vrai qu'on peut pas être plusieurs joueurs. On dégage. On dégage le... l'italien. C'est vrai que t'imagines sur chaque joueur, là. Ce serait terrible, hein. Belle bataille, également, en tout cas, hein, c'était chaud. Hein. Ouais. Là, l'italien, là. Ça va coûter quand elle est du bon côté, elle a pris mes canons, là, comme... J'ai pris les canons, les deux côtés, le général, je les ai rentabilisés, mes pauvres hussards. Hein. Moi, à galpin. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe! Oh là là. Ok, la Prusse rejoint les ennemis. Oh. Un peu de challenge, galpin, parce que là, bon. Ouais. Alors, tac.
Ah, ça serait génial de jouer toutes les factions, hein. Aïe. J'hésite. Go Venise ou je vais te chercher après, t'as la portée sur l'italien, c'est ça qui me fait chier. Ouais, je peux me débarrasser de l'italien. Et j'ai niqué ouais. Ses armées déjà. Hop, je me replie. Hein. Normalement, tu devrais pas avoir beaucoup de points de mouvement supplémentaires après cette chevauchée dans le nord d'Italie. Alors, Galpin, tu peux pousser ou pas? Oh, il peut pousser! Non! Non. Oh là là là! Oh, Galpin, ça va. Je t'éloigne de l'Italie, c'est le but. Ça doit pas se jouer à grand chose quand même, hein, cette affaire-là. Non, tu vois. Un point de mouvement. Un point de mouvement, je pense, putain! Oh là, j'étais là, parce que là tu me manges, Galpin. Hein. Mon armée est dans un sale état. Hein. Nation mineure. Oh là 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 là. Alors, quid de Napoléon, Galpin? Ça. Ça va. Ouais. région. Tac. Et on échange. Ok. Alors. Nation majeure. Serais-je en dienst? Ouais, il faut pas que je te laisse recompléter. Maintenant, ça risque. Ah, je vais peut-être faire ça. Hop, nation mineure, Saxe. Ouvrir négociation. Demander une alliance. Région, la Bohème. Ok, il veut pas se tromper. Bon, allez, on lance les constructions et on passera le tour. À Prague, ouais. J'ai tout rasé à Prague, j'ai suivi le conseil du chat. Ça va te coûter de l'argent. Hop. Infrastructure. Bon, allez, on est là pour jouer après tout. Ces canons là, mon armée fait la gueule. Je peux même pas me replier, putain. Ça c'est casse-couille qu'on puisse pas se replier. Hein. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Le jeu m'impose le combat, ce qui est totalement absurde. J'avoue que c'est mal baisé ça. Là c'est une armée fraîche que j'affronte là. Ouais mais bon, j'ai pas de canon, tu vois. Pas grand chose à la fin de la journée. Hein. Ah, il pleut. Ça, c'est chiant. Ça veut dire que les unités attirent pas tout le temps. Ouais, elles ont. Pas bon de tir, ouais. Ah, pour mon feu. Oh là là. Oh là là. Ok. Damn this weather, sir! Wet powder makes misfires a certainty! Ce qui me fait chier, c'est que je sais pas d'où proviennent tes renforts. Ça, c'est chier. Moi non plus, figure-toi. C'est génial, j'ai des renforts. Ouais, mais... ouais. Mais, bah, je sais pas, on verra. Voilà. Pas me replier, putain, je comprends pas pourquoi j'ai pas le droit à la retraite, quoi. C'est...
Ah, tes pro, tes enfants viennent de derrière. Ok. Mes renforts font un peu la gueule, je vais pas me cacher. Ah, moi je suis dans un. Je suis dans un vallon. Française, au secours! Oh putain, c'est quoi ça? Sir! Sir! Our general is under attack! Ah putain, j'ai pas vu cette cavalerie là dans mon dos. Oh là là là, ça m'a été terrible. Are running, sir. Oh, mais la chatte, putain! Elle, je veux pas. J'ai envoyé mes tirailleurs au contact pour t'intercepter. À 1 mètre, j'ai même pas le droit de le... L'entire unit est dead, sir. À 1 mètre, j'ai même pas le droit de lui désatteler ses guns, moi. J'ai pas le droit, hein, je veux pas. Quand je veux pas, je veux pas, hein. Voilà. Toi, tu retournes là. Toi, putain, elle va carrer. On va passer à l'offensive. Le
pas le droit de me replier, je comprends pas. Our men are running, sir. Ça va être dur, hein. On va essayer de lui faire des pertes. J'ai pas eu le droit d'avoir de chance, malheureusement. Si j'avais aussi à désatteler ces guns, ça nous aurait mis bien. Quelques pertes dans les canons. Putain, pourquoi tu bugs là? Oh! Oh, mais ils sont buggés! Mais non! Mais terrain de merde! Oh, je suis fatigué! Je suis fatigué! Running, sir. Oh là là, je suis fatigué. Que je suis fatigué. Ah, les pauvres, là, ils sont bien battus, je peux même pas leur en vouloir. Oh putain. La garde a pris cher, Galpin. Ouais. Je pensais que t'avais plus de canon, j'ai pas fait gaffe à ce que tu... Les serpents se sont reformés. Ah merde. Et que j'ai pu reprendre les guns. Les enculés. À ma grande surprise. Ça prend cher, dis-moi, Galpin! Ah ouais. Peut-être jouer un peu avec le feu, là!
mon petit canon galpin, je ne sais pas comment il tient encore. Oh, mon canon m'a abandonné. Ah, c'est bon. Non, il m'a fait peur, ce tank. Sacrée bataille, je fais ce que je peux avec le peu que j'ai. Oh la mitraille, elle fait mal. Allez, là c'est des régiments de grenadiers. Il va avoir du mal à les compléter, ça. Oh là là, ça fout, mais oui, je peux pas leur en vouloir, les pauvres diables. Oh mais ça fuit à chaque fois au contact, putain, j'ai pas de chance. Fais chier. À chaque fois, bordel, je demande juste un peu de chance là, de désappeler. Oh là là, et comme j'ai même, de toute façon, j'ai même pas le droit de me replier. Le jeu me force à attaquer non-stop. Oh là là, terrible. J'ai même pas le droit, je suis obligé de perdre mes généraux et tout quoi. Ah, tu te demandes ce que je peux faire. Our men are running, sir. Ça fuit, c'est le sauf qui peut, général. C'est le sauf qui peut, général. Bon, on aura fait beaucoup de pertes, j'avoue, je m'en suis bien sorti, oui. vu le contexte. Beaucoup, ouais. J'ai été plus efficace que la bataille d'avant. Ouais, je sais que ça m'aurait en contact, mais non, j'étais en train de micro là, et j'étais de toute façon acculé à la carte. Là, on va essayer de faire le maximum de pertes avant de crever. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Ah, ça fuit. On va essayer de faire du kill. Voilà, tout fuit. Ah, on va essayer de tuer quelques servants de canon, allez! Tant qu'on peut essayer d'en choper. Putain, ton général là, il était malin. Il est juste là pour faire chier, hein. Galpin. Je suis désespéré. T'envoies pas Napoléon, Galpin, pour aider? Non, je suis ma cavalerie. Allez, là, c'est, là les régiments de grenadiers. Cette bataille, j'ai beaucoup perdu. Mais. Moi aussi. Là, j'ai besoin de beaucoup de repos, là. Sauf que, Galpin, j'ai encore mon armée qui arrive, moi, tu sais. Ouais. Allez, mon général. Allez, chope tous les canons, allez! Oh là là. On va essayer de sauver ce qui peut l'être. Ah, mais c'est... Il est mort ton général ou pas là? Non! Ah, ça y est! Normalement, j'en ai un autre qui va arriver avec l'armée de renfort. Bon, Galpin, est-ce que j'ai réussi à faire mal à tes canons? Je sais pas comment ça s'est passé. Oui, j'ai perdu une pièce d'artillerie. Une seule, putain. Et là-bas, ça se bat encore, putain!
Je pense que j'ai fait beaucoup de pertes. J'avais raison d'essayer de me cacher, Galpin, de tes gros canons. Voilà, par contre, l'état de mon moral est catastrophique. On va pas se le cacher. Our unit is dead, sir. Oh là là. Yes, sir. Leichte Infanterie zu Befehl, sir. Gruppenbefehle! Laufschritt! Yes, sir. Yes, sir. Ah, j'avais oublié Noble, j'avais oublié. Le problème, c'est le moral. Galpin a un bon moral avec Napoléon encore dans la place. Dépêchez-vous là, s'il vous plaît. Oh là là là, c'est des fusiliers de ligne, il y a les renforts qui arrivent. Et Galpin, cette bataille va tout nous coûter, hein. T'as conscience, hein. Tu peux te replier, Galpin, hein. Non, non. La cavalerie française qui arrive. Galpin, ils sont 13, putain! T'as pas droit! Ils sont que... Ah putain, l'enfer! Oh, ce peloton d'exécution! Eh, c'est une belle bataille, Galpin! Ouais, très joli. Impressionnant, hein. Ça me coûte cher, mais c'est beau. C'est beau. On sent que c'est ma belle armée en Italie, là. Allez, tuez-moi, ils sont plus que 5! J'ai plus de renfort, hein. Oh, regarde, mon jeu a crash. Oh non, mon jeu a crash, non! Oh non! Ça crash? Ouais, c'est terrible. Oh, putain. Ce jeu instable de merde, Napo! Mais ouais! On y était presque! Pourquoi ça crash pas au début? Ouais, non! On la recommencera, Galpin, tant pis, hein. Ah bah oui! Putain. Ah, si c'est terminé, Monsieur Little Cat va te faire bien mettre avec tes commentaires de FDP, là. Oh, dommage. Oh, dommage. Ouais. Bon, on recommencera, Galpin. On aura le tout save autour. Mm. En tout cas, ça tourne bien. Hein. Ça fait des belles batailles. Ouais, c'est le premier crash, là. Fais chier, je pense que j'avais réussi à surprendre Galpin sur la bataille et à lui faire beaucoup de pertes. Maintenant, je serai à quoi m'attendre. Pas sûr qu'il prenne le bait une deuxième fois. Tu relances ou on fait ça la semaine prochaine? Non, on fait ça la semaine pro, ça fait déjà 2h30 presque, tranquille, ça fait... Eh, GG en tout cas, parce que c'était des belles batailles, hein, c'est pas facile, hein. Ouais. Ouais, mais le problème, c'est que le crash, il arrive en pleine bataille, tu vois, c'est ça le truc, quoi. Ok, ouais, à part ça, c'est stable dans l'ensemble, est-ce qu'on peut dire que c'est stable? Voilà. Bon, sur ce, Galpin, rendez-vous la semaine pro, ça sera peut-être à 21h, tu me tiendras au courant. 21h, ouais, pour le coup, Et sinon, demain, je stream pas en journée. Par contre, demain, à 20h ou 21h, je fais une minute spatiale. On a eu de la grosse news. Et dimanche, je suis busy toute la journée, mais je ferai du golf en soirée aussi à 21h. Donc ouais, pour ceux qui veulent voir la suite, rendez-vous la semaine pro. Allez, ciao, tout le monde. Salut.